Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui vous me verrez pas face caméra. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. J'en ai jamais fait sur ma chaîne, mais ça m'a été demandé sur mon compte Instagram. Si tu te reconnais, je te fais des bisous. J'obéis. Non, mais je comptais faire une vidéo bullet journal. J'attendais juste d'avancer un petit peu, étant donné que là j'ai reçu mon nouveau il y a peu. Car avant j'avais celui-ci, vous aviez dû le voir lors de ma réception en fait. Je l'avais commandé sur un site où il y avait des tarifs réduits sur les livres de coloriage et autres, et il y avait des petits carnets comme ça. Donc c'est mon tout premier bujo, mais là j'étais arrivée à fin donc. Donc il m'en fallait un nouveau, donc j'ai commandé mon nouveau bujo. Et cette fois-ci j'ai pris le Lush Storm, c'est un nom à coucher dehors, mais le Lush Storm 1917. Je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc moi je l'ai pris en vert, pourquoi je sais pas. Enfin, au début j'étais partie pour un violet, mais finalement c'est le vert qui l'a caprimé. Mais bon... Personnellement, ouais, avant c'était noir et vous voyez, il est tout dégueulasse, il est en sorte de velours. Donc c'est pour ça que je voulais changer de toute manière. Le format était trop petit, donc je suis passée à un plus grand format et là c'est vraiment l'idéal. Celui-ci, il était ligné et là je suis passée à une version avec des petits points, donc on va voir ça ensemble. Donc j'ai caché les parties où il y a, où c'est personnel, où il y a mon adresse ou autre. Donc voilà. Donc au tout début vous avez le sommaire. Ensuite je me suis fait mon calendrier annuel. J'aime bien quand même en avoir un toujours sous la main au cas où si j'ai besoin de savoir si j'ai pas mon téléphone, savoir quel jour tombe quelle date. Voilà. Ensuite je me suis fait une page anniversaire, une page fête parce que j'ai pas de tête, donc ça peut me servir. Ensuite je me suis fait une page avec les numéros importants, où je regroupe tous les numéros qui sont sur mon téléphone au cas où j'ai un souci de téléphone, ce qui m'est arrivé dernièrement où j'ai dû changer précipitamment de téléphone et où j'ai perdu tous mes contacts. Voilà, donc je note maintenant. Ma page d'à côté, c'est tous les mots de passe, quand j'y pense, parce que bon, j'ai tendance à oublier aussi. Et après, on est obligé de refaire un mot de passe et ceci et cela, donc je les note. Après oui, vous voyez, pour boire, ça c'est l'argent que je me fais un petit peu, l'argent de poche que je me fais au boulot, hein. Oui, quand les gens veulent pas de leur monnaie, ou ce que je trouve sur le parking, ou enfin voilà. Donc pour l'instant ça va ce mois-ci. Ensuite je me suis fait une page film. Donc c'est des idées que je pioche un petit peu sur Instagram ou sur Pinterest. Là, c'est censé être des petits pop-corns, mais ça ressemble un petit peu plus à des petits nuages, là. Je suis pas très douée pour le dessin, donc voilà. Donc là, je vais noter tous les films que je regarde cette année. Si il y a suffisamment de place, je verrai. Sinon, je referai une autre page de ce style un peu plus loin, c'est pas grave. Et de l'autre côté, c'est les séries que j'ai en cours. Voilà. Donc je vais essayer d'arrêter d'en commencer parce qu'il faudrait que je finisse celle-ci avant. Voilà, parce que ça fait un petit peu beaucoup. Ensuite je me suis fait une double page livre lu. C'est cette page là que j'avais postée sur Instagram, il me semble. Je vais venir colorier et mettre le titre sur à chaque fois que je finis un livre. Voilà. J'aime bien avoir une trace et comme ça me permet de voir combien de livres je lis. Durant une année scolaire. Voilà. Donc j'utilise des stickers, j'utilise des... Je vais vous montrer à la fin le matériel que j'utilise. Mais parce que je suis vraiment pas douée pour le dessin. Ensuite je me suis fait une page idées cadeaux, une page avec des idées vidéo pour la chaîne YouTube. Ensuite je me suis fait une page wishlist, ouais, c'est compliqué, hein. Puis une page job parce que d'ici la fin d'année, début d'année prochaine, il faut que je trouve un autre boulot, donc je vais pouvoir noter un petit peu tout sur cette page-ci.
Ensuite, je me suis fait une double page pour mes ventes sur Marketplace, en fait, sur Facebook. J'essaye de vendre les livres qui ne m'intéressent plus, que je ne veux plus garder. Étant donné que la boutique Price, ça ne sert plus vraiment à grand chose, étant donné qu'on brade beaucoup, beaucoup les livres et que ça part pas parce que les frais de port sont énormes. Donc voilà. Price, j'ai arrêté et je commence à vendre sur Facebook. Voilà. Ensuite, je me suis fait une page saga à terminer, enfin à compléter surtout. C'est pour quand je suis en magasin, que je me prenne plutôt un livre d'une saga que j'ai commencé. Ça m'évite pour essayer de les avancer, en fait, pour les finir. Je sais pas si je suis très claire. Donc voilà, j'ai à peine commencé à l'écrire. Donc voilà. Donc là, on arrive. Au début, donc mon premier mois, donc septembre, donc vous voyez, je suis pas douée en dessin, donc j'utilise des petits washi tape, que je trouve à Action, les stickers, les produits, enfin tout ce que j'utilise principalement, ça vient de chez Action. Voilà pour mon mois de septembre. Après, je me suis fait mon calendrier du mois. J'ai pas encore tout rempli, mais enfin voilà. Je vais remplir au fur et à mesure du mois. Je me suis fait un petit tracker de sommeil. Là, hier soir, j'ai commencé à mettre mes points, mais j'ai pas fait les traits étant donné ma trousse était loin et que, enfin voilà. Mais j'ai commencé à mettre mes traits, donc je vais le faire pour la journée d'hier. Il faut que je le fasse pour la journée d'aujourd'hui. Donc c'est pour vérifier le nombre d'heures que je dors. Et pour moi, donc en violet et en bleu pour Bibou, voilà, pour essayer de voir son rythme de sommeil aussi et le mien par conséquent. Ben voilà. Ensuite, je me suis fait une petite palle du mois, mais j'ai pas encore fini de noter ce que je voulais lire ce mois-ci. En même temps, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire dernièrement. Là, j'ai repris boulot et on me donne pas mal de boulot en rab à faire. Donc habituellement, je lisais, mais là, voilà. Je suis arrivée, j'avais déjà droit au bricoutant, donc j'ai pas vraiment eu le temps de lire. Par contre, je me suis foirée, enfin sur le titre, j'aime pas comment c'est écrit. Mais bon, voilà. C'est des erreurs dans un du jour. Ensuite, je me suis fait une double page. Je sais pas pourquoi j'ai fait une double page. Pour les sorties d'octobre, en espérant que je vais la faire. Parce que cette page-là, je me l'étais faite dans mon ancien bijou, il me semble. Mais à chaque fois, ah si, pour juillet, je les avais notés. Mais il me semble qu'il y a plusieurs fois où c'était resté vide. Il me semble. Je me suis dit, si je l'avais même pas mis à chaque mois, de toute manière. Bon, voilà, vous voyez que mes délices. Non, vous les voyez pas. Mais bon, elles étaient comme ça, mes délices avant. Mais ouais, j'étais en manque de place. J'avais pas assez de place. J'ai changé plusieurs fois. Mais là, vous voyez que c'est à l'envers. Hein. J'avais essayé aussi le mood tracker, mais pff, bon, vous voyez, c'est pas rempli. Les sorties ici, je suis médisante, hein, je le faisais. Je m'étais fait un petit tracker pour les réseaux sociaux aussi, mais bon, on voit pour le blog, je remplisse. J'arrive plus à aller sur le blog. J'y arrive plus, j'ai trop de retard, j'ai pas assez de temps. Enfin, voilà, c'est aussi pour ça que maintenant il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine parce que j'ai clairement plus assez de temps pour le reste en fait. Ah, là, mon mood tracker il a été fait. Mais bon, voilà, vous voyez un peu à quoi ressemblait mon bijou. Je fais une double page, je sais même pas pourquoi une double page, parce qu'à mon avis, il va pas y avoir beaucoup de sorties qui vont m'intéresser. Mais bon, on sait jamais, au pire, je referai autre chose là. Ensuite, on commence les délices. D'ailleurs, là, je vois qu'il faut que je remplisse pour ma petite bouteille sur la journée d'hier. Donc, comme ça, vous savez qu'aujourd'hui, on est lundi. Ah. Donc, voilà à quoi ça. Voilà, j'ai eu envie de changer je pense que ce format va me convenir. Donc la petite bouteille, c'est pour traquer un petit peu ma façon de m'hydrater. Parce que je ne m'hydrate pas suffisamment.
je ne bois pas assez, donc voilà. Hier, j'ai bu mon litre d'eau, donc je suis... Enfin, hier, non, avant-hier. Hier, non, j'en suis loin, j'en suis à la moitié. Bien, avec vous. Donc pour les feutres, là, vous voyez, bah, là c'est un peppermint. J'ai acheté un lot avec plein de couleurs fluo et autres. Voilà, j'ai plein de couleurs. C'est les Flair M. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Non, par là. Voilà, c'est ceci. J'avais dû prendre une promo inter avec un avantage carte ou je ne sais quoi. Donc voilà pour ça. Sinon, les petits dessins comme ça, je les fais avec mes petits trucs que j'avais achetés sur Ali. Voilà, j'en ai plein de planches différentes. Donc voilà, mes petits pochoirs. Ça, c'est pareil, se fait au pochoir. Mais sinon, le format avec les points, c'est sympathique pour faire les traits, tout ça. Voilà, j'aime bien. Là, un petit washi tape, pareil. Celui-ci, bah, il vient de chez Action, ceci. Je ne sais pas trop où il est, mais bon, il est dans ma trousse. Voilà. Petit washi tape. J'en ai différents. Mais j'en ai pas beaucoup encore. On a différentes tailles. Hop, tout petit. Voilà. Ça colle pas de ouf, mais voilà, c'est très joli. Et vous en avez aussi un petit peu plus texturisé, effet tissu, mais je sais pas trop si c'est vraiment du washi, ça. Je pense pas. Mais bon. Voilà, j'ai ça aussi. Donc, pour la première semaine, non, je vais le laisser là, pour bien me repérer. La semaine suivante, vous voyez, j'ai encore fait un petit pochoir. Voilà, sinon je colle des stickers, enfin... Je trouve ça... Enfin, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, je n'ai encore rien collé, ou je vais mettre peut-être une citation, ou je sais pas trop. Mais voilà pour mon mois de septembre. Après, bah voilà, c'est le flou. Je sais pas encore trop ce que je ferai, si je ferai une page bilan. Peut-être une page bilan, et après j'attaquerai avec le mois d'octobre. Je sais pas. Mais voilà pour mon bullet journal. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Si vous avez des idées, si vous avez des petits sites à me conseiller, ou des personnes sur Instagram que vous suivez et que moi je connaîtrais peut-être pas, n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'est... Je suis contente. J'ai quand même réussi à faire quelque chose qui me plaît assez. Je vais vous montrer ce que j'utilise en produit. Planche de stickers par exemple, pareil. Ça vient de chez Action. Il y en a toujours de plein de sortes qui sortent. Plein de sortes qui sortent, ouais. Pff, ma fille. Donc vous en trouvez tous les mois des différents. Enfin voilà. Je commence à me faire un petit stock. Sinon j'aime beaucoup ces carnets. Luxe Paperback. Non, Luxe Paper Block, c'est mieux. Je sais pas si. Mais vous avez. Des petites feuilles cartonnées prédécoupées, vous avez juste à découper votre forme, à mettre un peu de colle derrière et puis hop, c'est parti. Je les trouve trop mini. Enfin, vous avez ces petites mini cartes pour les anniversaires, c'est sympathique. Bon, vous voyez que j'ai déjà pris dedans, hein. Mais je trouve ça très joli. Et pareil, vous en avez plein de diverses et variées à Action. J'aime beaucoup. On en parle de ces attrape-rêves qui sont trop beaux. Plumes, tout ça. Ensuite vous avez les, comment ça s'appelle ça, je sais plus, c'est du foil mais c'est des cotes, voilà, cotes with foil. Ça j'en ai utilisé un, ben là, juste là, mais j'ai mis un fond derrière et les fonds c'est juste ce qui se passe juste après. Voilà, j'ai mis un petit fond, puis autour j'ai mis un petit washi parce que les points de colle se voient derrière ça. Enfin, je savais pas trop comment les utiliser, donc je me suis dit, bon, allez, je vais faire ça comme ça. Oh, je suis en train d'allumer ma licorne. Et je fais des bêtises. Donc voilà, des petites citations ou mots sympas avec les effets foil. C'est très joli, j'aime beaucoup. Donc après, vous avez différents petits fonds. Donc ça, pour les photos Instagram ou si vous faites un peu de scrap, je ne sais pas. Mais je trouve ça très joli. Ou juste ça encadré pour mettre
Chambre de bébé, ça peut être sympathique. En fond de photo, voilà. Je trouve ça chou. Et après, vous avez toujours une ou deux planches de stickers. Voilà. Ah, puis, oui, des stickers là. Donc, je sais pas d'où ils sortent ceux-là. Ça devait déjà être un pack que j'avais acheté à Action. Mais voilà, les petits stickers. Celui-ci. Je m'en suis pris un l'autre jour. Donc, vous voyez, c'est le fond que j'ai utilisé. Voilà, pareil, les petites planches cartonnées qui se détachent. Voilà, vous avez, comme je vous dis, plein de motifs différents. Et c'est tellement bien. Donc franchement Action pour ça c'est vraiment génial. Donc du coup je me suis repris un autre Luxe Paper Block l'autre jour. Donc avec pareil des teintes un peu plus colorées, moins pastel, mais j'aime beaucoup. Et pareil là j'ai encore des cotes. J'ai pris, voilà, encore différents fonds. Et encore les stickers. Donc ouais, franchement c'est trop cool. Donc il va falloir que je trouve de la place pour ranger tout ça par contre. Ah. Et sinon en stylo j'utilise les petits stylos pareil que j'ai eu à Action. Là j'ai du bleu métallique. Là j'ai un noir mais c'est du version calligraphie. Je sais pas si vous allez voir. En 5, sinon j'utilise principalement les Staedtler pour écrire. Là si c'est les vieux de doudou, va falloir que je m'en rachète, mais je les aime beaucoup ceux-ci. Le 01 je l'aime beaucoup, je l'ai en 3, enfin voilà, j'utilise pas mal de stylos avec des différentes pointes. Les Stabilo pastel, je les adore, voilà. C'est ceux que j'ai utilisé pour mes fonds, voilà, les fonds de mes titres. Donc les pastels, j'ai trop bien. Sinon, c'est les points de 88. Je les ai quasi tous, je pense. Il ne doit pas me manquer beaucoup. Voilà, donc les points 88. D'ailleurs, j'ai un doublon que j'ai dû prendre au boulot, que j'aurais dû poser. Et mon titre de septembre, voilà, je l'ai fait avec celui-ci, que ma soeur m'a ramené du Japon, avec une pointe pinceau. Il est trop bien, j'adore. Voilà, mais bon, je pourrais pas vous mettre de lien. Mais oui, sinon, j'utilise ça, mon crayon de papier, bah, c'est pareil, il y en a un qui vient du Japon. Donc voilà, Critérium. Et voilà pour ce que j'utilise. Encore un autre calligraphie. De chez Action. Voilà, pour les petits budgets, ça passe très bien. Voilà. Donc je vais vous laisser ici avec mon duo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné peut-être quelques idées. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous-même vous utilisez un bullet journal ou pas. Moi, j'aime bien ça. Ça me permet de me détendre au boulot. Voilà. Et ça me permet de m'organiser voilà, avec Bibou pour quand je dois le déposer chez Nounou, pour savoir si j'ai des rendez-vous. Enfin voilà, ça me permet de poser sur papier parce que bon, j'ai vraiment pas de tête. Donc voilà pour mon nouveau bujo. Et bon, pour nouveau lecture, ça va me faire un autre carnet quoi. Voilà pour ça. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Bon bijou et bonne lecture. Ciao !